Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Mais quel est le match auquel nous venons d'assister? Mais c'est du grand n'importe quoi! Nous, on n'est pas au courant! Mais non! Nous, on n'était pas au courant que les professionnels, ils pouvaient atteindre ce niveau de jeu! Tu te rends compte? Hein? Donc là, quand on dit football amateur et football professionnel, c'est ça la différence! Hein? Donc les professionnels, ils peuvent atteindre ce niveau! Oh là là, mais c'est du grand n'importe quoi! Mais nous, là, on n'a rien compris au football! Oh là là, mais t'as vu tous les automatismes? T'as vu le talent? T'as vu comment ils ont tous fait les complotistes sur le terrain? Ils ont fait des passes, du grand n'importe quoi, des actions. Alors là, moi, je tiens à dire que là, c'est officiel. On peut tout de suite donner le ballon d'or à Karim Benzema. Il faut arrêter de tergiverser, de finir la saison, de faire je sais pas quoi, de manquer de respect au football. Là, là, on arrête tout ce qui est classement. Si l'année prochaine, il y a un classement où il y a des votes, je sais pas quoi, là, je vais m'énerver. Là, là, ça sert plus à rien de mettre des votes, de faire des classements ou de je sais pas quoi. Là, là. Tu prends le ballon d'or, t'écris tout de suite Karim Benzema dessus. C'est fini, la saison lui appartient. Qu'est-ce qui t'arrive? Il te met des doublés à chaque Ligue des Champions, à chaque match de Ligue des Champions. Triplé face à une équipe dont je tairai le nom, parce que vous savez très bien que ça me fait mal. Là, là, il recommence, doublé. Mais d'où il vient, lui? Lui, c'est un cauchemar. Tu vois le Kraken, qui sont les monstres qui sont en dessous du lit, là. C'est tous des Benzema. Mais comment Benzema, il peut nous dire que lui, là, hein, il porte le Real Madrid à lui tout seul? Comment tu peux nous expliquer que le grand Real Madrid, la Maison Blanche, elle est tenue par Karim Benzema? Hein? Karim Benzema, il est là, il porte lui tout seul le Real Madrid. Tout seul sur ses épaules. Comme si c'était un sac plastique avec des petites tomates dedans. Oh non, mais Karim, franchement, là, là, t'es le meilleur joueur actuel qui est encore en lice dans cette Ligue des Champions. Personne t'arrive à la cheville, si ce n'est Sadio Mané. On va pas se mentir, là, il n'y a que Sadio Mané qui peut venir à côté de toi et te dire, bon, écoute, ouais, c'est vrai que tu fais une bonne saison, mais moi aussi, j'ai quand même une petite Coupe d'Afrique. Voilà, là, voilà, j'ai quand même beaucoup de choses quand même. Hein? Oui, la Coupe des clubs aussi, oui, bien sûr, ouais. Ben oui, je gagne beaucoup de choses, tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va pas se mentir. Là, la saison, elle appartient à Sadio Mané et Karim Benzema. Pour l'instant, Karim Benzema, il a une petite avance. Parce que sur les matchs importants, il te claque des triplés, il te claque des doublés. Et puis sur le nombre de buts, il est un petit peu plus élevé. On va pas se mentir. Mais là, là, le ballon d'or, premier, Karim, deuxième, Sadio Mané. Bon, après, si Sadio Mané, il gagne la Ligue des Champions, alors là, mon petit Karim, je pense que là, il y aura combat. Il y aura match. Ah oui, là, ça va être autour de Sadio. Mais oui, on lui a déjà volé lui aussi. Ben oui, il y a de la justice. En tout cas, là, ce match, franchement, c'était un gros match absolument incroyable. Un match digne d'une finale de Ligue des Champions. C'est dommage que les deux équipes, on les a en quart de finale. J'espère que, ben voilà, dans tous les cas, le match retour, il va être de même qualité. Dans tous les cas, nous, qu'est-ce qu'on a kiffé? On a kiffé. C'est ce genre de match qu'on aime, tu vois. C'est pas les matchs des bambins, là. Des matchs semi-pro, tu vois. Tu vois, là, la difficulté, là. Tu vois, quand tu joues à FIFA, là, le match, c'était un match de légende. D'habitude, nous, on voit des matchs semi-pro ou amateur ou débutant. Mais là, là, oh là là, mais quel niveau de jeu. C'était franchement magnifique, des passes auxquelles personne n'aurait pensé.